Ok, j'avoue, dans la vie de tous les jours, je suis un petit peu égoïste. Bon, ok, je suis un putain de gros égoïste. En même temps, on n'a qu'une vie. Alors autant en profiter comme chacun l'entend. Sauf que les filles, elles me reprochent toutes la même chose. De toute façon, tu penses qu'à ta gueule. Mais c'est faux. Je pense à mes couilles aussi. En général, dans un couple, on reconnaît les égoïstes au moment du choix du film. Alors, moi, ce soir, je vais regarder Fast and Furious 14. Et toi... Million Dollar Baby. Sachant qu'à la fin, apparemment, elle meurt. Tu veux toujours le voir? J'en ai vraiment marre. Oh, si tu veux, regarde Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est un petit peu le Darfour de l'égoïsme. Les gens sont prêts à se buter pour une peau de banane. C'est vraiment chacun pour sa gueule. Jean-Jacques, vous avez gagné l'épreuve de confort. Voici une pizza. Vous pouvez la partager avec un autre candidat. Qui choisissez-vous, Jean-Jacques? Personne, rien à foutre. C'est vrai que Koh-Lanta, c'est un petit peu comme une soirée chez un pote. Hein. Au début, tu te mets complètement minable, et après, bah, tu crèves la dalle. T'envisages de bouffer n'importe quoi, mais au final, on propose toujours la même chose. Est-ce que quelqu'un veut des pâtes au beurre? Bon, c'est très gentil, je remets pas en cause, mais tu vois, à ce moment précis, j'ai juste envie que tu me proposes une bonne viande ou un truc bien gras. Ton frigo est plein. Partage ta bonne bouffe, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un veut un petit filet mignon accompagné de sa sauce aux truffes saisie dessus de son de Fukushima? Ah bah voilà, là tu me fais plaisir. Sauf que ça arrive jamais. Des fois être égoïste, c'est pas facile. Alors faut trouver des bonnes excuses. Eh hey mec, t'as pas une clope, s'il te plaît? Non, j'ai gratté au mec assis là-bas, là. Tout là-bas. Ouais. Sinon, tu peux te la jouer égoïste, foutage de gueule. Non, désolé. Je fume pas. Mais faut se méfier. Hein. On sait pas comment peuvent réagir certaines personnes. Et faut se méfier. Le pire, c'est que des fois, je suis égoïste. Mais je m'en rends même pas compte. C'est juste que j'en ai rien à foutre. Ouais, et puis tu sais, y a l'autre, là, mon colocataire. Il s'est fait prendre là, par les keufs. Il est en train de faire du deal de miel. Du miel illégal, en quelque sorte. Alors, il y a son concierge qui lui a demandé de partir, de changer de mobicard parce que la poste font des nouveaux forfaits. Mais en même temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour pas se faire avoir? Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je sais pas, quoi. T'en penses quoi, toi? Ouais, ça marche bien pour toi, je suis content, ça me fait plaisir, hein. Tu sais que... Tu peux me filer un chewing-gum, s'il te plaît? Quoi? Ok, mec. Oh mince, c'était le dernier. Ça sonne. Bonjour messieurs, désolé de vous déranger, je fais partie d'une association, les schizophrènes de France devenus orphelins, car nos parents nous ont jetés dans la rue suite à notre maladie. Ce n'est pas drôle. Auriez-vous une petite donation pour nous? Désolé, mais j'en ai rien à foutre, hein, ça m'intéresse pas. Alors, au revoir. Donc voilà, je suis égoïste, je pense qu'à ma gueule et à mes couilles. Alors si toi aussi t'es un putain d'égoïste, bah tu peux rejoindre ma page Facebook. En revanche, si t'es quelqu'un de très généreux, bah tu peux aimer ma vidéo, commenter ma vidéo, partager, télécharger... Et on peut t'insulter aussi ou... Ouais! Je ne prends pas de claque, je ne...